monsieur. Faites demi-tour, on prend les rues de Strasbourg. Gauche, à gauche. Désolé, à gauche. Merci. Professionnels agricoles indignés par le projet d'aéroport. Nous, les paysannes, les paysans du COPAIN, nous nous battons depuis longtemps pour l'emploi agricole. Nous voulons plus de paysannes et de paysans. Nous voulons plus de consommation locale. Nous voulons plus d'agriculture biologique et d'agriculture paysanne. Nous voulons apporter des produits de qualité aux consommateurs et transmettre une terre saine aux générations qui nous suivent. À Notre-Dame-des-Landes, si près de Nantes et de Saint-Nazaire, sur 1600 hectares de zones sensibles sur le plan de l'écologie, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la gestion des eaux. Bref, c'est tout ce que nous défendons que le pouvoir en place veut détruire. C'est pourquoi nous ne laisserons pas déplacer cet aéroport. Nous étions déjà 40 000 le fameux 17 novembre 2012. À construire la châtaigne. Depuis, nous avons tout mis en œuvre, y compris notre outil de travail, que sont nos tracteurs, pour bloquer les engins de destruction partout sur la ZAD. Nous tous, paysans, engagés dans l'agriculture durable, dans l'agriculture biologique, dans l'accueil paysan, défenseurs d'une agriculture paysanne, nous avons refusé la destruction d'une ferme. Cette ferme, c'est la ferme de Bellevue. Depuis plus d'un an, on la squatte, avec les comités de soutien et avec des occupants de la ZAD. À Bellevue, ensemble, on sème, du verbe semer, on plante, mais du verbe planter, pas du verbe se planter. On récolte, on y élève des vaches, des cochons, des moutons, des chevaux et des poules. On pétrit du pain, on trait du lait, on élabore du fromage, du beurre. C'est une vraie ferme, quoi. Les décideurs, on se détache d'un lobby du BTP et on protège pour de bon les terres qui nourriront nos enfants. Monsieur Hérault, devenu Premier ministre, on arrête les conneries et on construit un avenir. Il y a 2 ans, vous avez dit entendre les grévistes de la faim ici même. Alors, dès demain matin, un peu de courage, beaucoup de cohérence avec vos projets de campagne, de l'honnêteté vis-à-vis de vos électeurs. l'extension du camp militaire du Larzac. Comme Jospin qui nous a entendus en abandonnant le projet de centrale nucléaire au Carnet. Monsieur le Président, nom d'un chien, entendez-nous aujourd'hui. Enterrons ce foutu projet et osons à notre avenir. N'oublions pas que si les accords concernent 80% des fermes, ils ne représentent que 40% des surfaces. Un seul agriculteur a quitté la zone pour refaire son siège. Et de toute façon, c'est parce que l'occupation policière l'a fait fuir. Alors, on a cherché à discréditer ceux qui résistent. Ouais, vous allez toucher beaucoup d'argent. Eh bien, messieurs les politiques, les fermes aujourd'hui, ça coûte cher. Les tracteurs, ça coûte cher. Les entreprises, elles, demandent des capitaux importants. Alors oui, détruire des fermes, cela demande de l'argent. Car reconstruire à neuf des bâtiments, cela coûte encore plus cher. La rumeur a pris le relais. Elle dit vous n'avez jamais payé de fermage chez la ZAD. Eh bien c'est faux. On a tout le temps payé des fermages jusqu'en 2012 aux propriétaires privés et aussi au Conseil Général. Et dans nos pratiques, et dans toutes nos pratiques, nous nous comportons en pensant que nous serons encore là dans 10 ans. Maintenant je vais passer la parole à Marcel qui est aussi de l'ADECA. Comme ça, c'est mieux. C'est notre mot d'ordre d'agriculteurs. Continuer à cultiver les terres et élever nos animaux sans tenir compte de ce projet. Et nous gagnons, car les terres sont presque toutes cultivées et le projet, lui, n'avance pas. Et aujourd'hui, même s'il y a du désordre organisé par la police, nous savons que le projet a reculé aujourd'hui. Cet automne, vous le savez, nous avons pris en charge, nous, ADECA, le collectif COPAIN et le collectif SEPTAZAD, 24 hectares non cultivés en 2012. Tous ensemble, dans le respect de nos différences. Comme souvent dans nos actions, il y avait une place pour chacun. Dans les tracteurs, certes, mais aussi pour préparer les mélanges de graines, pour planter des arbres et pour semer à la main. Une belle image de ce que sera notre zone sans aéroport. Et cela, les porteurs de projets ne l'ont pas aimé. Ils nous ont traînés en justice. Comme beaucoup d'autres, nous faisons tout pour que Vinci n'atteigne pas ses objectifs. Nous voulons le contrer dans son acharnement à trouver des mares. Nous achetons des parcelles en dehors de la ZAD afin que Vinci ne possède pas de foncier en dehors de la ZAD. Il n'a pas encore dégagé, mais au moins il reste bloqué à l'intérieur de la ZAD. Merci à vous tous d'être là, aux 520 tracteurs venus de loin et vous tous venus de toute la France. Si la ZAD résiste, c'est toute la France qui va résister. Grâce à vous, tous ensemble, nous garderons les terres de Notre-Dame-des-Landes. Vinci ! Vinci ! Vinci ! Vinci ! Faut qu'il l'entende jusqu'à Notre-Dame. Merci. Vinci, dégage, résistance et sabotage ! Un tracteur qui gêne tout le temps, celui à Michel Beaumont. Alors si Michel peut aller enlever son tracteur, merci bien. Bonjour à vous tous, je suis très ému de me retrouver devant vous. Je représente les naturalistes en lutte, Les naturalistes en lutte, c'est plus de 200 bénévoles qui ont parcouru le week-end, les soirées, les nuits, la ZAD dans ce bocage humide magnifique. Ces témoins sont des volontaires accompagnés par des spécialistes, mus par le désir de donner leur temps à la cause commune. Chaque observation était minutieusement consignée, puis cartographiée. Le résultat, c'est ça, un rapport de 80 pages, une synthèse de ce qu'on a fait en 2013. Des centaines d'espèces ont été notées, plus d'un millier d'insectes. Vous vous rendez compte, plus d'un millier d'espèces d'insectes sur la ZAD. Des habitats remarquables ont été cartographiés, bien plus que ce qui figure dans le rapport officiel. Et surtout, nous avons dressé le constat étonnant que nous sommes en présence d'un site unique, d'un assemblage unique pour le département, voire la région. Unique par sa composition, unique par sa densité, unique par sa fonctionnalité. C'est une relique précieuse d'une époque précédant la folie destructive du productivisme agricole. En effet, aujourd'hui, le bocage est considéré comme le milieu d'origine humaine le plus menacé en Europe. Sur ces 1600 hectares, nous avons référencé 170 km de haies, plus de 200 mares, dont 186 sont habitées par les amphibiens. Nous avons noté une population exceptionnelle de tritons marbrés, une population exceptionnelle de campagnols amphibies, une espèce qui est en plein déclin au niveau de la Loire-Atlantique. Nous avons noté également des espèces nouvelles pour le département, des espèces nouvelles pour la région et des cortèges d'espèces devenant de plus en plus rares. Le site de Notre-Dame-des-Landes est aussi une connexion entre le bassin de la Vilaine et le bassin de la Loire. À ce titre, c'est également non seulement un château d'eau, mais une vraie réserve de biodiversité pour le département. Le dossier évoque les mesures compensatoires. Éviter, réduire, compenser, telle est la logique de l'étude d'impact. Or, dans ce projet, il n'y a ni réduction, ni évitement. L'ensemble de la ZAD est à compenser. Pour réaliser ce tour de force, la compensation a été calculée en unités surfaciques, c'est-à-dire des valeurs de surface. Autrement dit, si des êtres chers sont ensevelis sous le béton, pas de problème, vous créez un club de rencontre pour compenser. Ça s'appelle une mare, à des kilomètres de la zone. Des mares qui seront un de ces jours bouchées parce que les zones industrielles vont se développer, les zones commerciales vont se développer. Donc en fait, tout ça, c'est du vent. Et dans ce cadre de figure, et au regard des enjeux majeurs d'importance départementale, régionale, voire nationale, il est bien entendu qu'il n'y a pas de compensation possible. C'est un leurre. Je tourne la page. Le dossier parle également de déplacement à titre compensatoire. En fait, il n'y a que deux espèces qui sont concernées par ce volet-là. Une espèce d'insecte et une plante. Une espèce d'insecte sur plus d'un millier existant sur la zone. Pour ce qui est des amphibiens, il y a deux espèces qui sont concernées par le déplacement, le triton crêté et le triton marbré. Cela concerne simplement 19 mares, deux espèces d'amphibiens sur les 10 existantes et 19 mares sur les 200 existantes. De plus, sur le plan scientifique, nous savons qu'en aucun cas le prélèvement et le transfert d'espèces ne peut compenser la perte des populations locales. Ces résultats vont nous permettre aujourd'hui d'alimenter les recours juridiques qui sont portés par des grandes associations, France Nature Environnement, Bretagne Vivante, la Ligue pour la protection des oiseaux, eaux et rivières de Bretagne. Pourquoi une telle richesse? Par sa situation hydrogéographique, certes, mais aussi et surtout parce que des paysans ont opté pour une autre manière de produire. Des paysans qui n'arrachent pas les haies, des paysans qui ne drainent pas, et pour autant des paysans qui vivent bien, entourés de tout un milieu vivant. C'est une chose actuellement qui est terrible dans tout le territoire national, la destruction des haies, le drainage des prairies. On est en train de perdre des milliers et des milliers d'hectares de façon irréversible. Autre richesse dans ce combat, les liens. Dans ce contexte, paysans, zadistes, naturalistes se sont liés, se sont écoutés. Et aujourd'hui, nous marchons ensemble parce que nous comprenons que la seule manière d'avancer n'est pas dans la compétition ou le conflit, mais bien dans la coopération et l'écoute. Notre-Dame-des-Landes, c'est la preuve qu'un autre monde est possible. Un monde où progresse le respect d'autrui, le respect des différences. Un monde où la non-violence est invitée tous les jours. Notre-Dame-des-Landes devient un nouveau symbole d'espoir. Plutôt que les 3 V, Veni, Vidi, Vinci, nous préférons les 3 V, victoire de la vie et de la vérité. Pour tous ceux qui en ont marre du mensonge, pour tous ceux qui en ont marre de cette logique de mort, pour tous ceux qui veulent un autre monde, pour tous ceux qui veulent cohabiter avec l'ensemble des terriens. Moi, je parle au nom des élus du collectif du CDPA. Je vous assure que nous y avons mis de la bonne volonté, malgré nos doutes sur ce que pouvait être le dialogue vu par l'État, puisqu'on a vu ces débats, nous avons joué le jeu avec la commission du dialogue, avec le groupe de travail mis en place à l'automne par le ministre des Transports. Nous avons financé des études contradictoires, nous avons cherché, confronté les chiffres, regardé ce qui se passe ailleurs, sur le bruit des avions, sur les trajectoires, sur les coûts de construction d'une aérogare. Nous avons fait un dossier sérieux et proposé des alternatives. Mais rien n'y a fait. Il n'y a qu'une vérité, celle des autorités, celle des ingénieurs, comme disait Boris Vian, et celle des politiques qui veulent à tout prix réaliser leur rêve de puissance et de grandeur, qui le veulent à tout prix au sens propre et qui sont prêts à tous les arrangements avec la vérité pour cela. Obligés de reconnaître enfin qu'on peut matériellement et techniquement agrandir Nantes-Atlantique, ce qui était nié jusque-là, la Direction Générale de l'Aviation Civile avance un chiffre de réaménagement totalement surréaliste, en contradiction avec les chiffres réels d'agrandissement ailleurs, par exemple à Bordeaux. Mise en difficulté par notre étude sur le bruit, qui montre que les avions sont déjà moins bruyants. Pas celui-là, hein? Les normaux, quoi. Ils sont moins bruyants parce que mieux remplis. Et ça va continuer. Ou bien ça va s'arrêter définitivement, d'ailleurs. On le verra. La DGAC prétend, au contraire, que l'enfer, c'est pour demain. Il faut prouver que Notre-Dame-des-Landes est indispensable. Elle le fera, puisque les politiques le lui demandent. Elle niera l'évidence. Elle ignore notamment la baisse du nombre de mouvements. En 2013, moins 2,4% d'avions dans notre ciel. Elle ne prend aucun compte des progrès techniques des avions dans les 20 ans qui viennent. Alors que tous ceux qui vivent en dessous, comme moi, savent qu'ils font beaucoup moins de bruit d'année en année. Moi aussi, je tourne ma page. Elle choisit aussi des trajectoires pénalisantes pour le centre-ville de Nantes. Et c'est pourquoi depuis 2 jours, alors que les vents permettraient qu'ils arrivent par ailleurs, les avions arrivent au-dessus de Nantes. J'avais appris qu'une vérité officielle, c'était le signe d'un régime totalitaire. Eh bien, j'ai appris qu'on peut être en démocratie et avoir une vérité officielle. Le système n'en est que plus pervers. On a les apparences du débat, mais ce n'est pas un débat loyal, car il n'y a ni l'honnêteté intellectuelle, ni la transparence. Alors que l'État est à la fois juge et partie dans cette affaire, il voudrait nous faire croire qu'il est impartial. Alors que les intérêts privés, ceux de l'immobilier, ceux du BTP, ceux de Vinci sont bien présents, on veut nous faire croire que ce nouvel aéroport est d'utilité publique, pour le bien du bon peuple, pour l'emploi, pour l'avenir. Eh bien cet avenir-là, on n'en veut pas. Et si le bon peuple n'est pas d'accord sur la vision que ces messieurs ont de son avenir et de l'utilité publique, on fera quand même, puisqu'on a respecté les procédures. En vérité, notre démocratie est malade. Gangrenée par le refus de la transparence, les mensonges et les arrangements entre amis. Et l'on s'étonne du fossé entre les citoyens et les politiques. Et l'on versera demain des larmes de crocodile sur l'abstention, ou pire. C'est contre cette dérive que nous sommes dans la rue. Notre lutte pour garder le bocage de Notre-Dame-des-Landes se fait au nom de la vérité, au nom d'un autre avenir, respectueux des hommes, du vivant, de la terre. Ça n'est pas pour l'argent, ni pour des intérêts particuliers que nous nous battons. Et cela, peut-être qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Mais c'est pour ça que nous gagnerons. Si j'oubliais, notre prochain rendez-vous, à nous la coordination, on organise le 5 et le 6 juillet à Notre-Dame-des-Landes, une grande manifestation festive, et pour continuer dans la joie, bien sûr, j'espère qu'entre-temps on n'aura pas besoin de vous appeler à la rescousse, parce qu'ils n'oseront pas venir à Notre-Dame-des-Landes. Mais surtout, on lâche rien! Laisse pleuvoir.